mon père, dépose une plainte contre elle. Ah bon? Et pourquoi? C'est la prison. Hein? C'est la prison. Ça, c'est clair. La personne qui a publié ta mise, si elle est ici au Cameroun, va me dresser une plainte contre elle. C'est la prison. Ça, c'est clair. On ne négocie pas. Tu publies la mise, une personne, c'est la prison. Renseignez-vous. Quoi? Tu as fait de ta mise, c'est la prison. Renseignez-vous. Laisse, mon frère. Hey. Daniel, rédige d'abord la plainte contre la personne. Quoi? Si cette personne est ici au Cameroun, tu rédiges d'abord une plainte, tu vas déposer à. Tu vas déposer à la Légion. Quoi? Ou au groupement. Ne pas dans les commissariats. Va au groupement à Bonanjo. Où tu vas à la Légion? Ça, c'est clair. J'ai dit que va sur toutes les pages. Quoi? Toutes les pages qui ont publié ta musique. Porte les plaintes. Ils vont à la prison, tu vas voir. Toutes les pages qui ont publié ta musique. Et si la personne est amenée, si la personne est amenée, porte une plainte contre elle. Le jour où elle vient au Cameroun, on va l'arrêter à l'aéroport. Ah! Oh, maman. Vous avez des bons. Il y a des bons au Cameroun. Ça, c'est clair. Même si elle est amenée. Même si elle est sur la planète Mars. Porte une plainte seulement. Le jour où elle vient avec ses pieds à l'aéroport, elle n'était pas en droit d'arrêter. On doit la. Il faut qu'elle aille en prison. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est trop lâche. Quoi? Elle est trop lâche de filmer. Pendant qu'il dort, c'est de la plus lâcheté. Ça c'est clair. Publier une personne, garçon, tu es une personne. Ça c'est clair. Quelqu'un te filme comme ça pendant que tu dors. Donc de la plus lâcheté. Pendant qu'une personne dort, tu prends sa vidéo comme ça là. Tu vas, tu envoies quelqu'un. Ça va partout, parce que ça se retrouve sur les réseaux. Daniel, ne laisse pas ça passer. Quoi? Ne laisse pas ça passer. Ah! J'ai dit que toutes les personnes qui ont publié. Même si tu vois sur le statut WhatsApp de quelqu'un, même si tu vois sur une page Facebook, capture la page. Aujourd'hui, on trace les pages, on trace les pages. Même si tu as créé sa page, tu as mis son numéro. On peut te tracer sur la personne qui a créé la page là. Ça c'est clair. Est-ce que vous m'écoutez? Même s'il a fait quoi à la fille, même s'il a fait quoi, vous pensez combien de fois les gars ont brisé nos pays ici dehors? Je m'interroge! Vous pensez qu'il a trop fait quoi? Vous pensez qu'il va aller le fumer pendant qu'il dort? Je m'interroge! Vous pensez que le gouvernement a mis ça les hommes dehors? Je m'interroge! Vous pensez que le gouvernement les gars n'ont rien donné? Quelqu'un te brise le cœur, parce que tu veux mourir, mais la mort ne te dit même pas! Vous savez combien de mecs, combien de gars nous ont brisés? Je m'interroge! Vous pensez combien de gars sont venus comme ça, mentir, oh, je vais t'épouser, il va juste voir tes parents, il va voir ton père et sa mère, il amène aussi son père et sa mère, je vois tes parents. Après, maintenant, il va y prendre ta voisine, il épouse. Ou après, il prend ta copine, il épouse, il a rien fait. Ah bon? Oui! Wow. Vous pensez que tu as vu quel genre de gouvernement? Vous pensez que tu as vu quel genre de gouvernement? C'est quel genre de quoi qu'il a fait? Parce que tu as pensé que tu as vu pendant qu'il doit aller mettre sur les réseaux. Mais attendez, vous rêvez! Hein? Vous rêvez! Moi, même pas le passé, j'ai envoyé une minute avec un. Hey! Pas le passé, il y a longtemps, bon, j'ai fait ça. Partagez d'abord! Il n'y a pas de fille en 2024, tu as conçu 5 filles, 85 ans, on relève deux hommes. Hey! Des choses qu'on a fait quand j'étais plus jeune. Quoi? Des choses qu'on a fait quand j'étais plus jeune, parce que il y a des fois que tu es amoureuse d'un garçon comme ça, les gars souvent savent manipuler. Les gars, quand tu es amoureuse comme ça, tout ce que l'homme demande, tu as seulement envie de. Laisse mon frère, hey. Mais c'était avant. Aujourd'hui on a pris de la maturité. Ah! Oh maman. Moi j'ai pas compris mes signes, je ne peux plus. Quoi? Non, je ne peux plus jamais faire ce genre de choses. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'ai fait ça à quelqu'un. Le gars m'a fait. Le gars m'a failli me suicider. Ok. C'est que quand je vois une personne qu'on publie sa vie, je dors, je peux mourir avec sa personne. Pardon, ta maman vient. Je veux prendre la personne, j'enferme. Donc je t'ai dit d'enfermer la personne. C'est la méchanceté, c'est la cruauté. Là, tu vois la cruauté, hein? La cruauté. Non, c'est la plus méchanceté. Ah oui. Mais s'il y a un problème au fond, laissez-moi dire qu'il y a un problème au fond. Quel genre de problème? C'est la fille qui vient comme ça, quand tu es ou aider le travail. Parce que vous vous rappelez que c'est un gars comme ça qui veut les filles à sel. Ah oui. Donc, quand même, je vous parle. Sachez d'abord que Daniel, ça va, c'est un gars aussi comme ça qu'elle est à sel pour sortir avec lui. Oui. Vous la harcelez. Maintenant qu'il accepte même, vous suppliez, vous ignorez lui. Maintenant qu'il vient venir pour le filmer. Hein? Vous suppliez, vous le suppliez. Parce que vous voulez lui. Maintenant, vous voyez maintenant. Oh, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce que vous voulez avec toi? Je m'interroge. Quand vous partez sur les réseaux, vous dites vous cherchez les influenceuses, vous cherchez les influenceurs, vous cherchez les acteurs, hein? Vous cherchez les acteurs, vous savez combien? Quand vous voyez un homme derrière ça, vous savez, vous pouvez imaginer combien de filles lui font les messages par jour, puis par jour, vous dites je t'aime, je vais mettre en relation avec toi. Je m'interroge. On ne peut pas compter, elles sont nombreuses. Quoi? Elles sont nombreuses. Laisse mon frère, hey. Je ne sais pas qu'il y a un problème au fond, même s'il y a n'importe quel problème au fond. Même s'il y a n'importe quel problème au fond, vous n'avez pas le droit de filmer le même qui dort. C'est de la prison. Ça, c'est clair. C'est la sorcellerie. Ça, c'est clair. Et la vraie sorcellerie, c'est ceux qui sont dans les WhatsApp, les gens vous disent envoie la vidéo de Daniel Sagrafoa. Mais vous êtes des démons. Ceux qui sont allés publier sur les pages Facebook, vous êtes des petits diables. Tu ne vas pas vous parler à la musique de l'homme comme toi, allez mettre sur ta page, mettre sur les réseaux. Vous faites ça comment? Vous faites vraiment ça comment? Vous êtes sûr que vous allez mourir, ça peut vous demander quoi? Vous êtes sûr que les gens vont faire chez vous, dans votre lieu secret? Est-ce que les gens sont au courant de ce que vous faites pendant que vous êtes avec vous? Mais pourquoi vous êtes démoniaque comme ça là? Pourquoi vous êtes aussi méchant? Vous avez des enfants? Est-ce que c'est que vous avez fait les enfants aussi? Que vous n'avez pas contrôlé? Si je reste toi qui es parent là, je suis parent. Je ne suis pas fiche. Si je reste toujours à l'amuser de mon fils sur les réseaux, je serais choqué. Je peux même m'écrouler. C'est quelque chose d'appréciable. C'est quelque chose d'honorable. De voir les liens musulmans sur les réseaux, vous comprenez vos gros dents. Vous sortez vos dents avant les morceaux de manioc. Vous écartez vos dents. Hein? Vous écartez vos dents, vous riez. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ça? C'est vraiment drôle. Puisque vous commandez, vous partez dans un dessin, vous postez sur vos pages. Si je suis à faire Daniel Sang, il dit toutes les pages qui sont allées de ma visite. Je vous porte plainte. Vous jouez très mal. Vous jouez très mal. Allez vous renseigner, hein? Appelez vos avocats, vous demandez parce que c'est que vous pouvez amuser de tout. Même si tu as seulement relayé. Même si tu as relayé seulement la musique que tu as posté sur ta page. C'est la prison. C'est la prison. Oh, il y a le petit Kiki. Oh, c'est le petit Kiki. Oh, Kiki, Kiki, Kiki. Vous avez appelé les grosses carottes et les concombres. Vous avez dit que c'est comme le fourri. Maintenant, c'est que vous voulez dire que c'est petit, le petit Kiki.
pas. C'est de pas vous dérouler sur les dérouler aujourd'hui là. Vous avez fait du sexe, donc vous avez banalisé le sexe. C'est quelque chose que. Mais c'est même un secret, vous avez fait un tabou. Vous parlez, vous parlez comme si ça ne va pas. C'est très méchant sur les réseaux. Bienvenue chez Ekima Construction, votre société de vente et de matériaux de construction. Ekima Construction fait aussi dans la fabrication des meilleurs parpaings au Cameroun. Faites vos achats chez Ekima Construction et quelle qu'en soit la ville où vous êtes en train de bâtir, Ekima Construction doit vous livrer dans les brefs délais. Ekima Construction est le numéro 1 dans la fabrication des meilleurs parpaings au Cameroun. Ekima Construction est numéro 1 en distribution du ciment Dangote au Cameroun. Ekima Construction est basé dans plusieurs localités dans la ville de Douala, à Dobon, en face du collège Dauphine, à Lopom, au Carrefour William Adem et à Lengzi. Téléphone 00237 677 31 90 et 43. Faites juste un tour par curiosité et vous ne serez pas déçus. Vous êtes très très méchants sur les réseaux. Je vois quand c'est bordé de sous-gâchés là. Est-ce qu'on a commencé à envoyer avec les fesses comme les autos, les trous du cul comme les autoroutes. Envoie. Il va pas se rappeler que quelqu'un se met sur le cas. Envoie la vie de récent. Bande d'idiotes. Vous n'êtes pas honteux. Les enfants mal élevés comme ça là. Vous allez vous partager. Tout ce qui vous intéresse ici dehors, c'est de voir des gens chuter. Vous avez trop la chute des gens. Vous avez le traumatisme que ça fait créer. De rester maintenant pour savoir d'analyser sur les réseaux. Vous avez le traumatisme que ça fait créer de quelqu'un. Est-ce que ça, c'est ça pas arrive? Vous voyez de quoi? C'est pas drôle. Les enfants vous maudit comme ça. C'est drôle. Est-ce que vous savez que quelqu'un s'est suicidé parce qu'on a mis analyser sur les réseaux? Vous avez le traumatisme que ça fait créer dans le mental d'un être humain. Une bande de démons comme ça là. Vous savez, vous faites la dessin, vous déposez les bâches. Les bordels. Toutes les filles qui ont publié la musique, c'est un bordel. Les petites de sous-gâtier. Les filles, je sais pas, je suis trop choqué. Et un enfant de par là bien élevé, ça va être les gens qui demandent la musique d'un homme. Vos parents, vous commentez, vos membres de famille, vos frères, vos soeurs là, vos cousins, vos hommes, vous sont les réseaux. Alors une fille en train de demander la musique, envoie-moi ça, tu vas, tu partages. Non mais vous fatiguez, c'est trop cruel. J'ai envie de me consoler en disant que c'est de l'ignorance. J'ai vraiment envie de me consoler en disant que c'est de l'ignorance. Mais je dis et je vous le dis encore, ce sang fille, au monde de 85 ans, il a envoyé une nude aux hommes. Quand j'avais 18 ans, quand j'avais 17 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 27 ans, lui. Vous pensez que c'est nouveau? Mais le lui, vous savez pas qu'il a pu m'envoyer. Lui, aussi, il dormait, après ça, il ne pas l'acheter. Vous voulez partir garder vos groupes filmés, envoyés. On n'a pas publié. Mais là, vous avez quelqu'un qui dormait. On a fait pendant qu'il dormait. Ça vous plaît tellement que c'est quoi ce fantasme lui avant? Ça vous plaît tellement que vous distribuez partout. La distribution va les coups, le feu de Saint-Esprit sur vous. Bande d'ignorants, c'est drôle. C'est pas drôle. Abstenez-vous, vous êtes trop méchant. Vous êtes trop méchant sur les réseaux. Sachez que tout se paye ici-bas, ici, bien tout ce que vous faites ici-bas, ça va finir par vous rattraper. Chacun a payé le karma de tout ce qu'il a fait sur terre avant de mourir. Il est chacun. Et sachez que la musique, les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Dans la Facebook, c'est des trucs comme ça, les archives sont là. Même si 10 ans, c'est nul, ils seront toujours là. Regardez pour Enda. Jusqu'au jour, ça date de combien d'années qu'on a publié la musique Enda. C'est nul sur tous les réseaux sociaux, dans les sites jusqu'aujourd'hui. Vous donc, vous publiez les trucs, vous ne pensez même pas à la santé mentale de la personne. Vous ne pensez même pas à son état d'esprit. Vous ne pensez même pas à sa famille. Vous ne pensez même pas aux enfants de chacun. Vous faites certaines choses. La malédiction va s'abattre sur certains enfants sur les réseaux, non. Je sais qu'on est. Vous avez pensé à ça, vous avez pensé à sa santé mentale. Vous avez pensé à sa maman, son papa, à ses frères, ses soeurs, à ses enfants. Vous prenez souvent le cœur là-haut. Vraiment, certaines personnes ont le cœur. Certaines personnes ont le cœur. Je ne comprends pas comment une femme peut se permettre de filmer quelqu'un nu quand la personne est en train de dormir. Pourquoi? Avec quel genre de cœur? Une femme, la femme qui est la mère de l'humanité, la femme qui est censée être la mère de l'humanité, la femme c'est celle-là qui doit nous montrer le bon exemple. Comment est-ce que tu peux aller dormir avec un homme sur un lit? Vous faites bien vos choses et au moment où il ferme l'œil pour se reposer, tu prends ton téléphone, tu filmes. Mon frère, porte plainte. Ce qui est sûr, tu connais la personne qui t'a fait ça. Porte plainte. Il faut qu'elle vienne payer pour ce crime, pour ce qu'elle vient de faire. Parce que c'est être malhonnête et c'est être méchant, plus que méchant. La personne n'a même pas pensé à ton avenir. La personne n'a pas pensé à ta famille. La personne n'a pas pensé à tes enfants. Pourquoi avoir un cœur si méchant? Pourquoi avoir un cœur si dur? Mon frère, porte plainte. Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries, dans les banques. Avec TapTapSense,
tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges tap service, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABY. Voilà comment NOSABY s'écrit. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 euros si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Voilà. Donc, utilisez mon code promo tap service. C'est le meilleur code promo. C'est le meilleur code promo, hein. C'est le meilleur code promo dont les autres codes promo là, c'est l'embracata. Et pour moi, ça se renouvelle, hein. Donc, tap 5, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de s'ouvrir tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à s'ouvrir mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un Kikong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un Kikong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire. Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici, sur terre, chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique. Samuel Eto'o a réussi au football. Rodelli, la PDG, a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi, c'est qui? Tu es qui? Tu es qui, con? Toi, c'est qui? Tu es qui? Tu es qui, con?